Ça y est, tu émerges, le brouillard se dissipe. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Enfin, t'as perdu la mémoire ou quoi? Enfin, je te rappelle quand même que c'est toi qui as insisté pour qu'on soit prudent. Et tu as bien failli y laisser ta peau cette fois. Mais bon, au moins, tu es vivant. T'es vivant, oui ou non, hein? Ouais, bon, pas très convaincant. Eh bien, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Il faut que je me lance. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, écoute-moi bien. Tout ce que tu as dit à propos du monolithe est véridique. Ce truc, ce n'est qu'une illusion qui a été mise au point dans un laboratoire près du sarcophage. Tous ceux qui ont trouvé le monolithe n'en sont jamais revenus. Ils sont certainement morts là-bas. Enfin bref, pendant que toi tu t'amusais, moi j'ai déniché des infos plutôt intéressantes. Figure-toi qu'il y aurait un décodeur qui actionne l'ouverture de la porte qui mène aux commandes du monolithe. Ce fameux décodeur se trouve dans un lieu secret à Pripyat. Je te donnerai les coordonnées pour trouver ce lieu secret et la clé nécessaire pour l'ouvrir. Tout ce que tu auras à faire, toi, ce sera de prendre le décodeur, puis de retourner à la porte dans le sarcophage, et ensuite, ensuite, à mon avis, tu sauras quoi faire. Je crois que c'est le seul moyen de révéler le grand secret de la zone, celui que tu cherches à tout prix à percer au grand jour.